Viens, viens manger. Viens manger. Viens manger. Alors en fait, il a plu un petit peu, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. On verra, on le saura, c'est l'expérience qui entre. S'il avait beaucoup plu, je ne serais pas allé. Je ne serais pas venu là. C'est écrit quoi? Transmarit. Bonne course. Ah, là, il devait avoir un truc en concours là. Oula, ça glisse par contre. Par contre, ça glisse. Hein. Faut faire attention. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de gros cailloux ici. Il y a beaucoup de petits cailloux. Mais globalement, ça va. Bon, j'ai mis un coupe-vent. Un caoui, je veux dire. Pour la pluie, mais il pleut pas. Donc je vais peut-être l'enlever, mais bon, j'attends encore un peu de voir la situation. Après, si la rivière est trop forte, les chiens n'y vont pas. Ils sont extrêmement prudents. Ouais, c'est boueux quand même. Hein. Ça va être une randonnée difficile, je pense. Ouais. Ça va être difficile. Vu le ciel, je pense qu'il va pas pleuvoir, donc je pense que je vais enlever le caoui et je vais le mettre en cas de besoin. Ah, Ryu a trouvé une petite mare où il peut se baigner. J'ai mis le collier GPS dans le coup de bosse parce que c'est lui que je suis plus susceptible de perdre.
Par contre, je crains un peu que ça glisse. Pour les cailloux, par rapport à Baron, je ne m'étais pas trompé au départ. Ouais, j'ai dû quand même l'aider parce que c'est vraiment, vraiment tout ce qu'il faut éviter dans son cas. Ok, je vois des banderoles. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu, mais ils auraient pu quand même. Ils auraient pu enlever ça quand même. Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment. Ouais, ce que j'aime pas, les cailloux. Le côté sombre des rivières. Alors, je me suis arrêté un peu parce que je veux voir sur la montre. Bon, là, ça, au fil du temps, je vais apprendre à la manipuler. J'ai une Apple Watch Ultra. J'utilise le logiciel Workout Duo avec, que j'apprends à manipuler progressivement. Eh bien, Baron a pris les devants, ouais. On va accélérer le pas parce qu'on est censé faire du sport surtout. C'est surtout pour faire du sport. Je suis venu là. Rio, Rio. Il est resté pris. Voilà. Et ouais, c'est une tapette Rio quand même. Hein. Il crie pour rien quoi. Il crie pour rien. Il est resté pris dans les filets, mais en fait rien de grave hein, comme d'hab. Hein. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un grillage là. J'ai vu qu'il y avait un grillage. C'est quoi ce grillage là en fait? J'ai vu qu'il y a un grillage en fait là. C'est quoi ça? Ouais. Je sais pas. Franchement, Rio, il crie vraiment, vraiment pour rien. Ah ouais, c'est incroyable ça. C'est un de ses défauts. Un de ses défauts. Baron, il est chaud quand même. Par contre, il faut faire gaffe parce que avec l'humidité, faire gaffe. Voilà, je voulais pas me mouiller tout de suite, mais Baron il a peur de la rivière, il sera obligé d'y aller. Voilà, il sera obligé d'y aller. Il a depuis quelques temps, ça fait comme je l'ai laissé un moment sans aller, il a peur. Sans se baigner, donc il a un peu peur de se baigner. Il a cette phobie là, mais il a trouvé le moyen de contourner. Voilà. Voilà. Bon ben moi je serais obligé hein, de tremper, de faire trempette. Hein. Je serais obligé de faire trempette.
Eh ouais, j'ai pas le choix. Je regarde où je peux passer, mais... Eh non. Eh ouais, je serai obligé de tremper mes pieds. Bon, ben allez, c'est parti. Allez, c'est même pas la peine de faire 10 000 chemins. Allez, je trempe mes pieds, et puis voilà. Hein. Voilà. Je trempe mes pieds. Pas la peine de réfléchir. Voilà, Baron dit. Il a peur. Allez Baron, viens. Viens, viens le chien. Allez Baron, viens. Il a peur. Viens le chien. Viens mon chien. Allez. Il a peur de... Il a plus peur. Mais comme il est malin, la peur te fait... La peur te fait trouver des idées. Regardez-moi ça. Quel poltron. Quel poltron. C'est ici Baron, Baron. C'est ici. Quel poltron. Ah, il y a un grillage là. Donc, ah ouais. C'est pas complètement sauvage ici. Pas complètement privé. Pas complètement public. Ça se voit qu'il n'y a pas grand monde qui vient ici, hein, quand même. Hein. Parce que la végétation, elle est bien présente. Même sur le passage. On peut voir que Rio revient sur ses pas à chaque fois. Alors, on va vérifier un petit truc avec le téléphone. On va sur le logiciel de GoPro. En fait, là, ok. Ça enregistre depuis 12 minutes. C'est parfait, ça. Voilà. Bon. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça fait 600 mètres qu'on a fait. Un quart d'heure. Donc là, la montre m'indique le chemin qu'on fait. Ok. Pas de problème. Ok. J'ai compris. J'ai compris. Club Manicou. Ok. Eh bien, il se passe des choses ici. Hein. Ne me casse pas. Ne me casse pas là en deux là. Tout comme mon genou, il est pas encore chaud. Ouais. Et ouais, par contre, est-ce qu'on a le pouls sur ça? Ouais. Mon pouls est à 127. Pourtant, je trouve pas que je fais beaucoup d'efforts là. C'est 127 battements par minute, je précise. Il faut être à l'affût du moins de bruit parce que un bon bout peut se casser. Alors, un bon bout qui tombe sur la tête d'une personne, franchement, il va aller à l'hôpital, mais ça va. Par contre, un arbre, c'est la mort assurée. Par contre, Baron, tout à l'heure, je vais essayer de l'emmener dans les profondeurs des abysses. Il faut que je me remette à nager avec lui. Par contre, la carte de la watch là, elle me plaît pas, il faut que je la modifie. Alors, la watch la voici, hein, en fait. Hein. Voilà. Donc là, on peut voir que on parcourt là, la rivière fait ça. Et en fait, nous, on passe, on l'allonge.
Oh putain, des araignées. Oh, une toile d'araignée. Bon. La vérité, c'est que quand je vois les parcours. Il y a un grillage là. Donc en fait, les parcours des gars qui font du bushcraft, je crois, je ne sais plus comment on appelle ça, dans les forêts amazoniennes ou africaines, je me dis que ce que je fais là, c'est du pipi de chat, quoi. Donc faut pas que je me plaigne. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Ah ouais. Il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas de jaguar. Honnêtement, hein, selon moi, pour affronter un jaguar, il faut au moins 5 kangals. Au moins 5 kangals. Sachant qu'il va en tuer, à mon avis, un ou deux. Très facilement. Voilà. Après, le nombre peut faire qu'il va préférer fuir. C'est surtout une force de dissuasion. Mais si le jaguar là t'attrape là par le crâne, il brise les os du chien hein, en moins d'une minute. S'il arrive à briser le crâne de caïman avec la peau dure, le crâne du chien, à mon avis, c'est fini pour lui. Bon. Ça va, mais le rythme n'est pas encore assez sportif. Après, c'est pas une randonnée qui est très longue non plus. Oula, j'entends des bruits de craquement là, on dirait. Ouais, faut que je fasse attention. Ouais, quand je pense qu'un gorille te plie ça en deux avec une facilité. Bon, c'est bizarre, Boss, il doit pas être en forme pourtant. Parce qu'il est là. Aïe, j'ai un petit peu mal au genou quand même. Hein. Ah ouais, faut que je fasse plus de sport là. Rio, vraiment, il est hyper actif. Alors, soit il m'a montré un peu, c'est bon. Je longe la rivière, tout va bien. On peut voir des bambous qui sont tombés, je vous dis que c'est pas de la blague. Hein. Donc restons prudents, restons attentifs. La rivière elle est là. Oh là, oh là, j'entends des craquements là. On se barre d'ici. Et puis le truc doit tomber avec une violence. On va tester le poids pour voir. Ah bah, franchement c'est léger, heureusement. Hein. Mais ça là, celui-là il est pas léger par contre. Je veux mais savoir comment Baron il a passé ça, s'il a sauté, mais s'il a juste enjambé. Je sais que Boss il a dû de sauter. Ah, enfin, ils sont dans l'eau. Moi je vais pas chercher comme pareil, hein. Je vais rentrer dans l'eau. Hein. Voilà, on n'a pas le choix. Oula, oh. Même dans l'eau ça glisse. Allez, Baron. Allez, pourquoi c'est pour faire une boule qui puisse vaincre ses peurs. Alors, on regarde un peu la montre, que la montre dit qu'on est là, on est à la rivière. Ok, on continue tout droit. Mais je crois qu'on peut monter par là. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut monter par là. On va monter pour voir. On va faire ça comme ça là.
Ah, j'ai des doutes. Ouais, si, si. Ah, il y a un chemin plus haut là-bas. Bon, moi, je vais quand même pas chercher. Midi à 14. Oh là, ça glisse. Maman! Ah ouais. Ah ouais, ça glisse. Punaise. Le nombre de battements par minute, 115, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est suffisant pour... Ouais, ça fait travail de cœur. Alors là, je suis à 1 km 24 pour 24 minutes. C'est vraiment peu, hein, comme cadence. Je sais pas si on peut afficher la cadence, je pense, mais je ne vais pas chercher là aujourd'hui à tester les fonctionnalités de l'application. Ah, et là, je commence à sentir mes jambes lourdes. De mec qui manque d'entraînement. Voilà, j'ai vu Boss sauter là-bas. Oh là, même Baron saute. Oh là là, c'est incroyable ça. Je les ai vus. Ah là, mon hit score, Jackie Motav, 128. On va, 128. 133 même. Mais c'est bon pour le cœur. C'est bien le chien, c'est bien le chien, c'est bien. Risque cardiaque à 138. C'est bien parce que j'entends les clochettes. Le pouvoir des clochettes. L'efficacité des colliers à clochettes. Il faut absolument que je trouve d'autres colliers. Clochette. Pas doucement, on ne passe pas de la gueule. Voilà.
Et là, Rio a crié encore peut-être. Il a dû se faire mal. Il a dû se faire mal. Le pauvre. Il sent la douleur comme les humains. Alors, est-ce qu'on se rend dans la rivière? Non, pas du tout. Par contre, il y a deux rivières en fait. On peut voir sur la montre que il y a deux rivières qui montent. Ah, elle s'arrête là. Donc la vraie rivière, ben c'est bon, on continue. Allez. Je me souviens que la dernière fois, j'avais même couru un peu par ici. C'était sec. Bon, en tout cas, la rivière, conclusion, quand il pleuviote un peu, même avec un petit peu de pluie, ici, c'est pas dangereux. Bon, Baron, lui, il préfère pas dépasser par en bas. Voilà. Eh, ça m'a piqué, c'est quoi ça? Ah ouais, ouh. Bon, heureusement, je ne suis pas encore tombé sur de gros insectes. Alors, il faudrait que je voie l'état de la batterie du téléphone et de la carte SD. Alors, nous allons voir ça sur l'application GoPro. Donc, il reste 58% de batterie et c'est écrit 2h29 pour la carte SIM. Bon, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Ah là, ça pique. Ces herbes-là qui piquent. Ah, c'est ça qui pique là. Ah ouais, vraiment, ça rigole pas ça. Ça là. Hey, ah ouais, ça rigole pas. Ça joue pas. Ouais, par contre, quelque chose de qu'il faut prendre en compte. Dans les forêts tropicales, c'est les herbes coupantes. Et les herbes qui piquent. Et les herbes coupantes coupent comme des rasoirs, je vous dis. Comme des rasoirs. Voilà, ben voilà, je suis tombé. Ah, je me suis fait mal au coude quand même. Ah. Je suis tombé à un endroit où je pensais pas tomber. Ah, là comme ça. Aïe, je me suis fait un peu mal au coude quand même. Ah ouais. Ça va, c'est... Je devrais survivre. Mais ça me rappelle la prudence que je dois avoir. Il ne faut jamais relâcher son attention quand on part en randonnée. Dans des endroits glissants. Ah, je me suis fait mal au coude. Un petit peu quand même. Ça me fait un peu mal. Ouais. Ouais. En fait, après, il faut que je me souvienne. Ah, ils ont mis ça là, c'est pour se souvenir, ouais, c'est bien. C'est bien une bonne chose. Bon, maintenant j'ai la montre, ça va, je pourrais me retrouver, mais malgré tout, pour ceux qui n'ont pas de montre, c'est intéressant. Ah, ça m'a quand même refroidi le saut là. La chute. Allez, faut pas se laisser. Faut pas se laisser atteindre. On continue de plus belle. Oh, ils sont bien loin là. Hep! 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 On dirait que j'entends des voix. Hep!
Ah, je vois un chien assis ou debout. Voilà. En même temps, faut pas que j'oublie qu'il faut que je regarde le sol. Je vois un chien au loin, c'est Buzz. C'est bien le chien. C'est bien Rio. C'est bien le chien. C'est bien. Par contre, du coup... Comment ils ont accroché... Ils ont accroché ça sur l'arbre, c'est bien ça. Pour se repérer. Ouais, franchement, c'est une randonnée qui est sympa, mais c'est pas de toute tranquillité. C'est pour ça que je ne l'ai fait qu'une fois pour l'instant. On fait la deuxième fois. C'est vrai que c'est pas la randonnée détente absolue. Alors, il y a un premier bassin là. Je crois qu'il est assez profond. Ah ouais, il est beau ce bassin là. Ah ouais, il est beau. Je vais faire un baron. Je vais essayer de faire un baron nager là. Baron, viens, viens le chien. Allez. Baron, il a peur. Il a peur, on va essayer de le faire nager. Allez. Voilà, c'est bien. Eh non, 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 viens pas sous mon sac. Allez, allez dans l'eau. Viens ça, remis le sable. Allez, Baron. Allez, allez, Buzz. Allez, Baron, viens. Allez, Baron, viens, viens, mon chien. Viens, le chien. Allez, 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 allez mon chien. Allez, allez mon chien. Allez, viens, viens. Il a retiré le collier. C'est moi, il avait peur. Je vais remettre le collier pour lui. Allez, viens, viens le chien. Allez, viens, viens. Viens mon chien. Viens. On va mettre le collier. Allez, viens. Allez, viens. Viens, viens. Il a peur. Allez, viens, viens le chien. Allez. Il a une peur bleue. Je crois d'aller. Viens. Allez, allez. 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 Allez, 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 Baron. Allez, allez, viens le chien. Viens. Allez, viens le chien. Allez. Allez, il a peur, il a peur. Allez, allez. Oui, le chien, allez, voilà. Oui, le chien. Viens. Viens. Allez. Allez, le chien. Allez, va nager. Nage un peu. Voilà.